Mademoiselle Dufrac ? Bonjour. Votre week-end s'est bien passé ? Mon week-end ? Vous savez, je suis restée là. Madame, je m'appelle Birgitte, la femme de chambre. Birgitte ? Je ne suis pas Birgitte, je suis Malena. Il faut appeler la police. Madame, j'arrive, je monte l'escalier. Aide-moi. Madame Sarah Bernhardt. Depuis combien de temps êtes-vous au Val-de-Grâce, Eugène ? 9 mois. N'avez-vous pas un peu envie de prendre l'air ? Si. Alors rendez-moi visite. Demain à 15h, place Colette. Chez vous ? Non, Eugène. À la Comédie-Française. Mon corps c'est un mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. C'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme. C'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Thank you.
tu nunca me esqueces. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes conmigo. Dans chaque geste quotidien qu'on fait tous les jours, se brosser les dents, ouvrir une porte, fermer une porte, faire son marché, c'est la danse. Last segment where I went through these dark serpentines, I passed through that corridor where they sat, where they are. When you penetrate to the Most High God, you will believe you're mad. You will believe you've gone insane. But I tell you, if you follow the secret window, and you die in ego nature, you will penetrate this darkness. See.
Madame, monsieur, je ne sais pas si tu te rends compte, madame, monsieur, que... Comment dire? Que tu vas mourir. Alors, ce que je te propose, c'est de tout expliquer comment ça se passe, de te montrer le corps, l'âme, l'esprit, enfin tout le tintouin, tu vois, pour te rassurer et être content de vivre, de mourir, enfin de être content. Je sous-signe Emma, née le... déclare être sainte de corps. Saine de corps et d'esprit. Je lègue et Emma la clown est née donc en 91 avec les costumes qui s'est ajouté dû au hasard total. L'air du clown est essentiellement poétique pour moi. Il n'est pas méchant, enfin s'il est méchant, il est poétiquement méchant quoi. Je veux dire, c'est forcément en relation avec sa propre tragédie. J'adore. Et j'aime particulièrement ce qui se passe avec les spectateurs. Moi, je sens que je les emmène et qu'ensemble, il se passe quelque chose qui n'est pas descriptible, qui est au-delà de nous, même au-delà du théâtre, je trouve. Enfin, je pense que... Et c'est pour ça que c'est vraiment un spectacle que les gens doivent voir. Le cinquième Molière de la soirée pour Edmond Alexis Michalik. Alors il faut dire qu'après les Molières du meilleur second rôle, de la révélation masculine, de la mise en scène du théâtre privé et de l'auteur francophone vivant, il aurait été curieux que l'Académie des Molières se dédise sur le Molière du spectacle de l'année dans le privé. Et tous les comédiens à monter sur scène. Benjamin Bellecour et tant d'autres. Allez, il y a 12 comédiens qui sont en train de monter sur scène. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec... Avec un grand nez. Un grand nez? Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Non! Si Maria Lecon ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je loue... Pardon, Coquelin, pardon! De quoi? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère! Tout va bien se passer. Vraiment? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison? Tout va bien se passer, répète, Edmond! 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 Thank you.
Chacune un rôle d'homme et un rôle de femme. Mettez les gâteaux, les chocolats, les serviettes. Mettez les gâteaux, les assiettes, combien? Le champagne, les pieds, les mouchoirs. Je vais servir plus de cigarettes à l'ensemble. Inventer un théâtre burlesque, a priori, mais qui pose toujours un regard critique sur le monde dans lequel on est. Il ne s'agissait pas de faire un théâtre d'humour pour rire bêtement, mais proposer un théâtre burlesque fait quand même de thèmes dérangeants, voire parfois difficiles et délicats. Cela... Quoi ? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grand-mère. Je veux qu'elle sorte. Le fait de faire jouer tous les personnages par les cinq comédiennes va désamorcer tout de suite cette chose, on va dire sexiste, que contient cette pièce, par le simple fait que les comédiennes vont être maîtres à bord sur le plateau et vont du coup s'emparer de tous les personnages masculins et féminins et s'en moquer sans aucune limite. Tout le monde est passe à la casserole, si j'ose dire. Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folle, on vous traite. Et j'ai fort sur le cœur. Comment donc ? C'est à vous que je parle, ma sœur. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. D'abord, la langue impose une précision, puisqu'il s'agit d'une langue en alexandrin, donc extrêmement précise, extrêmement rythmée, dans laquelle il faut mordre finalement avec une vraie gourmandise et précision en même temps. Et en même temps, de parler en alexandrin, ça porte un décalage comique, puisque les personnages ont cet impératif devoir de s'exprimer en 12 pieds à chaque fois, ce qui amène un vrai décalage. C'est le petit musée ambulant d'Alistair de Naftalen, qui est un collectionneur globe-trotteur qui a parcouru le monde, aussi bien les pays que l'on trouve sur les cartes que ceux qu'on ne trouve pas, pour retrouver des souliers qui ont appartenu à des personnages de contes. Donc vraiment une collection insolite avec des objets très curieux. On verra Pinocchio, on verra Cendrillon. Bon, il y a en fait, Alistair possède deux pièces pour Cendrillon, dont la fameuse pantoufle de verre.
On verra une ogresse, qui est un peu la pièce maîtresse de sa collection pour le moment. Une femme de chambre du château de la Belle au bois dormant. Esther reçoit un groupe restreint de visiteurs, une trentaine, pour faire la visite guidée du musée, et donc une sorte de déambulation qui s'appuie sur des textes qui ont en fait été écrits en collaboration avec Thomas Cotto, qui est un auteur jeunesse assez connu. Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare un peu, je n'étais pas une enfant de cœur qu'on arrache aux instants rêveurs d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté, oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout même les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je Merci.